Bon, je vous ai fait grâce des qualifs, hein, parce que bon, voilà. Ça dure littéralement, ouais, 23 minutes les qualifs en fait. T'as deux fois moins de course, c'est 11 minutes. C'est aberrant. Donc, dernière course sur ce combo, Bruce Willis 14. Comment il écrit Bruce? Ça pique les yeux, Willis aussi d'ailleurs. J'ai changé de voiture, j'ai pris la Mazda RX-7, que j'aime beaucoup. C'était le moment de la reprendre, donc allons-y. On va voir si elle est plus performante que la Ford. Et j'espère par contre qu'il n'y aura pas un trou énorme dans le peloton cette fois pour que je puisse me battre devant. Tout à l'heure, c'est ce qu'il y a eu, donc c'est un peu dommage. Ma foi, on va voir. Ah oui, c'est vrai que c'est un départ, mais c'est un départ raté. Alors, les gars, s'il vous plaît, faites en sorte de pas perdre d'aspi cette fois. Hein, ce serait mieux quand même. Allez, go! Volant en droite hein, pour cette voiture japonaise, évidemment. Ah, elle est belle, hein. J'aime bien, moi. J'aimerais bien qu'elle sorte en électrique. Ça. Ils en ont fait une en Australie d'ailleurs, une électrique, mais. Ça reste un prototype quoi. Allez, on va prendre la speed là supra devant. Alors moins de couple que la Ford hein, je pense. Moins d'accélération. Mais bon après ça reste correct. A priori il n'y a pas de trou là. Il y a 6 secondes du leader. Putain si, il y a un trou énorme. Putain mais ils foutent quoi les mecs, sérieux? Oh là là, ça va faire comme tout à l'heure en fait. Bon allez, il va falloir céder hein. Je la jouais pas solo les gars surtout hein. Allez on cède tous les trois là. Faut absolument revenir sur le paquet devant. Je me mets en vue aérienne. Enfin, extérieure. Ouais c'est pas mal, on remonte dans la côte. Le petit pack. Ouais, on est mieux parti que tout à l'heure là. Clairement. Il va pas y avoir un trou comme tout à l'heure. Oh, la Supra, elle est lente, elle est lente. Ah bah désolé, hein, mais il va falloir te recoller à nous. T'as qu'à prendre le... Ah non, faut pas couper l'élan, surtout, là. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais... 6 secondes 6, l'écart commence à descendre encore avec le leader. Si on peut pas le contrôle de la voiture, surtout. Si on pouvait s'échapper de l'autre derrière, bon, je sais pas ce qu'il a foutu, hein, vraiment, là... C'est bien à comprendre. Le petit bug de collision. Bon, c'est pareil. Hein, les vitesses 330-332. Ouais, c'est à peu près la même chose que d'habitude. 6 secondes 5. On continue de se rapprocher du leader. Je vois qu'on rattrape un peu les gens devant. Ah mais il y a encore un trou là-bas, oh là là, mais quel enfer. Oh là, attention. Derrière on est revenu aussi. Là par contre on commence à plus trop revenir. Il va falloir... Il y a des écarts. Ah, crash. Attention. Faut pas perdre le contrôle les gars surtout. Oh là là, attention. Bon lui il est mort, hein. Sa course est finie là. 6 secondes 4 du leader. Vraiment sympa ce combo là, c'est dommage que je le fasse que deux fois. Du coup, je l'aurais bien vu en une course A, B ou C. J'espère qu'ils le remettront.
Allez, le petit train habituel avec Maverick. C'est les avions là, vraiment. Top Gun, hein. Vraiment, là. Yeah. Oh là là. Ils se font tous fumer, c'est magnifique. Putain, il n'y a que des Supras, c'est chaud. Allez, mon collègue français. Alors là, on se regroupe, mais attention, quand même, à pas trop prendre de risques. J'ai l'impression que le peloton est assez éclaté devant. Au final, je suis que 14e. Hein. Mais bon, après, on est en train de rattraper les leaders, 5 secondes 6. Ça pousse, on va aider Maverick. Alors là, faudrait pas qu'on se gêne non plus trop, parce que... Attention les gars, laissez de la place. Ouais. 5 secondes 7, oui. Ah merde, il commence à reprendre de l'avance le leader. La Porsche qui essaie de se frayer un chemin dans ce peloton. Ouais, il s'est complètement raté. On va pouvoir prendre le speed. Voilà, attention, on a un paquet là. Ouais, j'aime pas ça. Prenez pas trop de risques les gars quand même, le leader s'échappe. Ça c'est terrible par contre, là... Ouais, là c'est mort. On va perdre le contact avec les gens devant. J'ai l'impression qu'ils se sont tous regroupés devant encore. On n'a pas réussi à les rattraper. Ah, c'est terrible. Bon bah il va y avoir deux courses en une, hein. Ouais, comme quoi les qualifs sont importantes, mais bon... Ça fait chier de faire les qualifs quand même, hein. Vraiment. Que de Supra dans ce combo en tout cas. Wow. Putain, les mecs ils prennent que les Supra, c'est incroyable. Alors il y en a un qui est tout seul là-bas, j'espère qu'on va au moins pouvoir le rattraper lui quand même. Oh là, la Porsche n'est pas le contrôle derrière, elle est finito. Allez, faut rattraper le mec là-bas. Ça serait pas mal. Il est tout seul, donc ça doit aller. Hein. Il va vite être rattrapé, lui. Et on n'a pas encore bouclé le premier tour, mais ça serait tardé. Ça ne saurait tarder. Allez, on touche, on touche. Allez, ça y est, premier tour bouclé. On attend le dernier tour. Alors, j'ai l'impression qu'on regagne un peu de temps là, c'est pas mal. On se rapproche un peu des autres devant. J'ai l'impression que le peloton est éclaté devant là. Allez, Walter, décale-toi. Allez, 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 à droite ou gauche? À droite, très bien. Allez, c'est parti, Walter White. secondes 8. Bon, on rattrape le 7ème aussi. C'est pas mal, c'est pas mal. La remontada est en marche. Partez 17ème. 14ème, pardon. Non, je suis 15. 14 ou 15. Je ne sais plus. Non, je partais dernier, vraiment, je crois, en plus. Il me semble que je partais dernier. Allez, on se décale évidemment. J'ai mis 18. Ah, il va tenter. Non, bah, fais pas le con. Ouais, il a un feu. Oh là là. Allez, le truc, c'est qu'il veut pas se faire décoller de la speed, donc tente tout, quoi. On peut le comprendre, mais bon, faut pas prendre trop de risques non plus. Bug de collision, toujours. Alors lui, pourquoi il se décale, je sais pas. Ça, c'est étonnant. Ouais, alors ça, c'est pas très malin de ta part de faire ça, mais bon. Il est lancé, donc je vais le suivre. Je vais le suivre, il a de l'élan. 6 secondes 1, le leader. Ouais, on perd le contact encore une fois. Dommage. Attention, petit Joanne. Attention à pas perdre le contrôle dans le virage les gars.
Alors, est-ce qu'on vient un peu? J'ai l'impression que ça se bat, hein, de côté des leaders. Ah, pourquoi Walter, tu forces comme ça là? Eh, c'est pas encore le dernier virage, hein. C'est bon, calmos. Ça va mal finir, hein, cette histoire-là. Alors, du coup, là, ils sont en train de me mettre devant, mais ça va être une bataille pour la 7e place, hein, cette course, je pense. Oh là là, le monde derrière! Quelle folie! Attention! Un peu d'aspi là, même si c'est pas très mal. On se replace dans le paquet. Voilà. Oh là là. Mon dieu, ça va finir en crash total, hein, ça. Ça va finir en big one, hein, on le sent. Hein. Ouais, on est 7 là pour se battre. On est 8 même, hein, 8 ou 9, je dirais. Mais... Wow! Oh, le boost que j'ai eu là! 338! Ok quoi. Alors bon, c'est cool, mais du coup ils vont me ramarrer avec la spi. Cinq secondes 6 du 6e. Et l'écart ne fait qu'augmenter. Bon bah le top 6 est hors de portée, hein, clairement. Ils font leur course à eux, nous on fait la nôtre. Eh oui, bien vu. Ouais, je vais un peu couper la route, mais bon, voilà, c'est comme ça que ça marche, hein. Faut bloquer, faut bloquer. Ah, il pousse, ouais. Il fait bien, il fait bien. On arrive dans le dernier virage bientôt. Alors moi je trouve dommage qu'il n'y ait pas un départ arrêté par exemple parce que du coup le départ lancé ça accroît les écarts au départ et ça joue sur le fait que les deux pelotons soient séparés. Comme ça là on perd du temps et ça aurait été mieux un départ lancé clairement hein, pour ce genre de circuit. Un départ arrêté pardon, justement, pas un départ lancé. Allez hop, ça pousse par ici, attention derrière. Ah, il m'aveugle avec ses phares alliés. Allez, oh là là, attention le virage là. Attention de ne pas perdre le contrôle. On va rester bien à l'intérieur. Pour parcourir la moins de distance possible. Allez, Maverick qui me pousse, très bien, parfait. Ah, il est énorme ce virage, il est long, il est long. Et les autres sont là-bas, vont-ils se crasher? Déjà, je vais essayer de pas me faire crasher moi, ça sera bien. Non, ça se crache pas devant, dommage. Et Maverick qui... Oh là là, attention, il me déséquilibre. Bon, bah ça va finir 7e a priori, à moins qu'il y ait une surprise du côté du 9e là, mais a priori c'est bon. Et ça pousse du côté de Maverick, c'est parfait. Merci à vous. Bon, ça va, c'était pas trop dur, hein. Dommage encore une fois qu'on était ouais, au top 6 en 7e-10e. Bon, bah. Le russe qui a fini deuxième du coup. Incroyable. Bon bah je suis plutôt content de cette course, j'ai bien fait de la refaire au final. 7e c'est bien. Plutôt satisfait. Voilà, et pour ce combo, j'espère que je vais marquer plein de points du coup. Parce que j'avais marqué 71 tout à l'heure. Ça dépend dans quelle session ils m'ont mis là. Et l'autre français qui aura fait 12e seulement. Il n'a pas réussi à faire un top 10, dommage. Bon bah. Le type 7, 7e avec une RX 7. Parfait. Excellent. Hey, 99 points, c'est bien. Et je partais 17e. Ouais, bah bon début de l'exhibition Racing là. Enfin, série. C'est cool. Bon, bah voilà, du coup, petite course sympathique. Allez, je vous laisse. Ciao.